Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir. J'ai pris aujourd'hui la direction de Néry-les-Bains et on va parler de bien-être avec une soirée spéciale qui aura lieu donc samedi le 9 septembre, une nocturne au spa thermal Les Nériades. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés la coordinatrice marketing des thermes et des Nériades. Bonjour Samia Kassimi. Bonjour. Samia, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore les Nériades, qui n'ont pas cette chance, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce temple du bien-être et les offres que vous proposez ici? Alors oui, donc les Nériades, c'est un spa thermal qui est situé à Néry-les-Bains, à 10 minutes de Montluçon, et nous proposons différentes offres. En premier lieu, nous avons l'espace sensoriel qui est composé de bassins, d'un sauna et d'un bassin subaquatique. Nous proposons également des modelages et des soins de balnéothérapie grâce à notre eau thermale. Ensuite, nous proposons également des rituels de plusieurs heures ainsi que de cures de prévention santé d'une semaine. Oui, donc elles se font là maintenant, en fait, depuis quelques mois, je crois. C'est ça. Avant, ça se faisait au terme et maintenant, on a décidé de faire ça au Neria. Donc, c'est des cures d'une semaine. On a différentes thématiques, alto stress. Contre le stress, haltodouleur pour tout ce qui est douleur, etc. Et ainsi que notre nouvelle cure charge mentale. Tout ça doit être bien apprécié. Vous devez avoir un public, non? Complètement. Ouais. Alors pourquoi avoir décidé d'organiser une nocturne le 9 septembre? Alors, tout ça, c'est parti d'un sondage sur les réseaux sociaux. Nos followers étaient très enthousiastes. Et donc on a eu l'idée de mettre ça en place et on a décidé également d'avoir un thème bien-être pour une continuité pardon, de l'eau thermale, etc. Si je me trompe pas, je crois que c'est une première. Est-ce que éventuellement, si ça fonctionne, vous envisagez d'en faire d'autres nocturnes? Alors oui, pour le moment, c'est vrai qu'on a pas mal d'engouement autour, on a pas mal de réservations. Si ça continue sur cette lancée, évidemment, on va refaire cette expérience. Alors, si on rentre vraiment dans le programme et pour donner envie à nos auditeurs, qu'est-ce que vous avez prévu là pour cette nocturne? Il y aura un programme un peu spécifique? Oui, tout à fait. On a un fil rouge tout au long de la soirée, qui est le bien-être. Donc, on ouvre l'espace sensoriel de 20h à 22h exceptionnellement pour profiter des bienfaits de l'eau thermale. Ensuite, on a nos spa praticiennes qui seront présentes pour proposer des diagnostics de peau gratuits pour ceux et celles qui le souhaitent. Et nous proposons enfin des boissons bien-être grâce à notre partenaire Bartend Home qui nous a préparé une carte de boissons bien spécifique. L'ambiance sera forcément différente qu'en journée, non? Oui, complètement. Donc là, le bassin sera ouvert essentiellement aux personnes qui ont réservé et nous allons allumer les lumières du bassin pour une meilleure expérience sensorielle. Alors vous m'avez intrigué avec ces boissons bien-être, Samia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là sur votre partenaire? Oui, donc Bartend Home, c'est une entreprise locale qui est basée à Néry-les-Bains. C'est une entreprise de bar à cocktails à domicile. Ils se déplacent sur tous les événements privés ou professionnels et donc on les a contactés pour une création de boissons bien spécifiques bien-être et healthy. Ils ont tout de suite été emballés par le projet. Complètement. Ils nous ont préparé une carte des soins, une carte de boissons, pardon, bien spécifique et très adaptée à notre cible. Comment va se dérouler le diagnostic de peau? Enfin, comment vous allez mettre les choses en place là? Alors, nous allons avoir deux spa praticiennes qui seront sur place et qui vont, par le biais de questionnaires, réaliser un diagnostic de peau pour ceux et celles qui le souhaitent et vous conseiller sur les produits à utiliser. Je crois qu'il reste encore quelques places. Quelles sont les conditions de participation pour cette nocturne onérienne? Alors, tout simplement une réservation à l'avance, soit par téléphone, soit par mail ou via nos réseaux sociaux. Et le coût de la soirée? Alors, c'est 20 euros. Très bien. Alors plus largement, quels sont vos projets là autour des Nériades? On sait que ça fonctionne bien, hein, qu'il y a du monde, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, ça fonctionne très bien. Pour le moment, on aimerait proposer plus régulièrement des animations et des événements. On suivra ça avec intérêt. Et du côté des thermes, je crois que la saison 2023 se passe plutôt bien aussi, hein. Vous avez un nombre de curistes important. Oui, la saison se passe très bien. Nous avons rapidement affiché complet et pour le moment, nous avons 500 curistes jour.
Alors Samia, je crois que c'est la première fois que vous participez à l'émission en peignoir. J'ai une petite question rituelle, tous les invités y ont droit. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh bien, il y a quelques mois, dans un spa à Annecy. C'était une expérience sympathique. Parfaite. Mais c'est encore mieux en Néry-les-Bains, non? Évidemment. Bon, un grand merci Samia Kassimi. On rappelle donc cette nocturne soirée bien-être au spa thermal Léneria de samedi de 20h à 22h. Il reste encore des places, mais dépêchez-vous. Et puis, on se retrouvera très bientôt, je pense, sur Logos FM pour continuer de parler de cet endroit vraiment ressourçant. À bientôt Samia Kassimi. À bientôt, merci.